Hey yo tout le monde, on se retrouve pour une rapide revue de Distant Star qui est disponible sur Steam depuis quelques heures. C'est un petit jeu d'action spatiale. Ça me fait penser à Homeworld. Donc on va faire une petite découverte ensemble. Un petit côté RP avec des choix à faire en fonction des zones que l'on rencontre. Donc ça peut être un aspect sympathique. Ça évite de se retrouver toujours avec le même scénario à chaque partie. Maintenant, on va voir ce qu'il donne au niveau des combats. Parce que ça a l'air assez bruyant. Et là, je cherche à réparer mes vaisseaux. Ce qui serait pas mal. Ouais, en plus, on s'est engagé. Donc, c'est parti. Ça va commencer fort. Je suis à la troisième, quatrième mission. Donc au tout début du jeu. Donc là c'est vraiment la découverte en même temps que vous. Eh, il a l'air résistant le petit là. Faudrait changer de focus. Que lui il fait très très mal. Boum. 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 Il descend, il descend. J'ai mon bouclier qui se régène. D'ailleurs pour l'instant j'ai pas le penche. Chose dessus en arme. Voilà ça pour bousiller la vie et puis en même temps auto auto. Tac tac. On va voir. 29, 28, 27. Oh, je vais se perdre lui. Je dois bien le désengager. Bon, je sais pas ce que c'est ce petit timer là. Ça va être l'état du bouclier, je ne sais pas. Ouais, il faudrait que ça c'est lui qui tente, qui prenne un peu les dégâts là. Boum. Il y a du mieux. Donc, je n'ai plus que deux vaisseaux, lui et Disable. Donc lui, je crois que ben, on l'a perdu. On va le laisser régénérer son bouclier. Take advantage. Et ça, c'est... Ah, c'est pas mal, ça fait un drain de bouclier, le petit, là. D'accord. Donc on va essayer de monter. Danger 4 sur 10. Donc on a une vue, tactique. Qui, ma foi, n'a l'air pas trop mal. Et la vue, en dynamique, en live. En temps réel. Pour le moment, pour buter deux vaisseaux suffit largement. Donc on a capturé un point. Objectif, capturer station B, station C, kill all enemies. On peut le faire, on y croit. Par contre s'ils sont tous aussi balèzes, on va avoir un petit problème. Donc danger level toujours 4. Ça se trouve, il y avait qu'eux, hein. Sur le milieu des trois. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, je pense pas. Ça va être un peu trop easy. Donc, on va utiliser lui, son drain de bouclier. Ouais, il s'est fait dérouiller.
je pense que j'ai fait un choix un petit peu foufou. Donc je vais prendre cher. À la bourre-le si tu peux. Ok, boum. Je pense que... Qu'on s'est fait fumer. Donc quand on perd, on perd. Hein. Au moins le problème est réglé. Donc c'est pas mal parce qu'on va pouvoir redécouvrir une nouvelle partie. It is said we were once a single people. Taking our first faltering steps into the unknown. Then we discovered the Ark. Alien artifact of unimaginable power. It sent us deeper and deeper into the stars, unlocking the path to our enlightenment, even as it tore us apart. We are the Akari, keepers of the Ark. If we are warlike, it is because so many seek to destroy us. Now, the Othani, our oldest enemies, have laid siege to our home world of Eos and have dispatched a great weapon of war against us. The Erebus platform. A planet killer. A threat of such magnitude, it must be destroyed, lest our enemies wrest the Ark from the molten remains of our shattered world. Ok, au moins, on est fixé. Donc, voilà. C'est ça les petits choix que l'on peut faire au niveau scénario. Là je peux acheter des petits vaisseaux. Long Range Burst of High Damage. Un challenge. Ok. Ça c'est un assaut que j'ai. Ok. Ah, ça c'est pas mal. Donc on peut essayer cette petite technique, c'est-à-dire on va en prendre du bourrin. Non, on peut pas en plus, d'accord. Donc autant pour moi. Et on va prendre un support. Donc on a un assaut. Un burst, mais à grand range et un support. Et on pourrait en acheter encore deux, mais on n'a pas assez. Ça, c'est les supplies. Ça, c'est nos crédits. Hop, on fait un saut dans l'hyperespace. C'est merveilleux. Et voilà la map des missions donc. Donc, on choisit aléatoirement. Où on veut aller, donc on va aller là, pif, là, voilà, on a un petit blabla, et ouais, ship improvement, forcément. Ça peut servir. Donc là après c'est les skills. On peut renommer nos vaisseaux. Pourquoi pas. C'est surtout. Voilà, là on peut les réparer. Ça c'est très important.
Donc chaque mission, faut y penser. Et les attachments, mais pour le moment, il n'y a rien. Donc, on va garder cette compo. Donc là, il n'y avait rien. Voilà. Ça arrive. Voilà, toujours pareil. C'est marrant parce que tout à l'heure ça faillitait dans tous les côtés. Voilà, c'est parti. Là là, je sais pas ce qu'il m'a lâché lui, mais c'est pas super sympa. Tac, lui, il a la lance à fusion. On peut voir, ça fait masse dégâts. Lui, il est là-dessus. Ouais, on va essayer de le voir, c'est quoi. C'est parti. Pour le moment ça passe pas mal, par contre ça s'est dit là. J'ai des petits vaisseaux là qui font bien mal. Tac. Ça serait bien d'achever lui là-bas. Voilà, c'est fait. On va se le faire lui. Une zone de combat. Ça fait penser au partenaire dans SC2, un peu le merdier là. Il faut voir que les boucliers ramassent. C'est qu'on va vraiment essayer de mettre des patates là parce que là on ramasse quand même. Voilà, je vous force à régénérer là. Je vais faire de même ici. Hop là, c'est passé. Donc ils ont mal. Ça. C'est clair. Est-ce que tu peux pousser à régénérer le petit? On va bien voir. Ouais. Lui aussi. Comment on va faire? On va faire survivre encore. Donc le premier retour, c'est que les combats spatiaux étaient super balèzes sur Steam. Je crois qu'on peut le constater. Ça va en dérouter pas mal. Je vais essayer de régénérer quand c'est comme ça. Faut vraiment se barrer, régénérer. Là, je sais pas si c'est bien, c'est ça, c'est que ça régène mes potes. Hop, on se le colle sur lui. Donc là, on essaie de se barrer pour régène. Faire du vieux kitting. On peut pas les réparer, je pense. C'est defend. Voilà.
Tac, on va essayer de régénérer son bouclier. D'ailleurs, on va s'en prendre plein la mouille. Celui qui tient le gros là, oh là là. Oh là, c'est une scène quand même. Donc on va crever. Là, il se retrouve tout seul dans l'attaque. On va recommencer une partie. Je vais sortir de la zone là parce que je sais pas trop ce qui va nous tomber dessus. Ah, on a des potes qui sont arrivés, ça c'est bien. On peut pas les contrôler, mais c'est pas grave. On a du support dans la zone, donc c'est déjà ça. Ça fait mal. Hop. Je vais bien allumer la tronche là, quand même. Même lui. Ça c'est pas gentil. J'ai un petit vaisseau de merde, vous m'envoyez du gros lourd. C'est pas super choupiné le camarade. Allez, allez, hop là. C'est passé. Bouge, 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 bouge. Là, t'en prends plein la tranche. Ça serait intéressant de régénérer le bouclier. Donc, ce soit le drame. Là, j'ai mon pote. Tank, mon ami tank. Take advantage, si tu veux. Il a l'air de tomber pas mal quand même. Allez, 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 vite, 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 je vais faire arroser. Abîme le frein du bouclier là. Peut-être que c'est un gel là. C'est punaise. Il
passe plus vite. Yeah, yeah, yeah. Allez, 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 allez. Je me fais courser. Ah, la map est minuscule, quoi. Donc, vraiment, là, pour régénérer nos boucliers, c'est merdique. Hop là, bouclier régène. Donc ça, c'est vital. Hop, on va revenir. On va le mettre en avantage. Alors on l'a mis en avantage, mais le problème c'est que ils sont deux quoi. On va l'achever quoi. On va vraiment le burst. Allez, 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 petit vaisseau. Voilà, donc maintenant, on repart. On a 30 secondes à se balader. Ça c'est mon timer de recharge de bouclier. Moi, maintenant on le sait. J'ai le truc qu'on suit partout là, c'est cool. Et bien, nous allons l'attendre là. Voilà. Non, il veut pas se pointer là pour une fois. Où es-tu petit? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Toujours là. Ok. Moi je m'approcherai encore plus. Avec les combats, c'est un peu brouillon. Un peu de merdier quand même. Ils sont oubliés. Bouclier à 50%. Moi j'en ai plus. Moins comme ça. Tout va bien. J'espère qu'il régène moins vite que moi. Comme première mission, c'est déjà pas mal. Hein. Hop, 0. C'est parti. On va y revenir. Reste dans ma sélection. Allez, vas-y, vends-nous du rêve là. Faire désinguer quelque chose de propre. Voilà les crêpes. Suisse Miève. Hop. Recommençons une autre. Donc on les skip carrément.
Parce que vu comment c'est fait arroser, c'est même pas la peine. On peut installer du matos. Alors, fortified, oh là là. Ouais, burst canon, ça serait pas mal. Oui, on t'a dit oui, confirm replace. Strike missile. Standard issue canon. Moi je voudrais bien lui mettre. Ça, un bouclier. Ouais, ça je trouve que c'est un peu de la double, donc ça si on peut le liager ça serait pas mal. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ouais, je l'ai pas trouvé si fort que ça. On va prendre un pulsar. On va installer ça pour faire du dégât. Et ma foi, on va aller voir ce que ça donne sur cette partie. En ayant équipé un peu le vaisseau, voir si ça passe mieux. Parce que là, jusqu'à présent, on se fait un petit peu imploser la tronche. Donc, hop, je déplace mon chat là-haut. Hop là, voilà, c'est parti. Donc ça c'est cool, maximum shield, c'est tout en auto, donc au moins il n'y a que celui-là qu'on peut cast. Un shield over the ship et damage pulse. Ok, c'est parti. Donc là nous avons que deux petits vaisseaux, mais ils sont boostés donc. Qu'est-ce que ça va donner, mystère. Bon, ça c'est un point clé, donc ça va bien se passer. Voilà. Capture. Allez, next. On va sur le B. Voilà, s'engage donc. Attaque auto. Ok, lui il a quoi? Le sap pour-t-il du gros dommage. Et boum. Quasiment chargé. Ouais, ma foi, ça leur descend pas trop mal. On a un deuxième qui rentre dans la zone. Ça, ça fait quoi? Régène de bouclier, oui, ça marche. Régène de bouclier, ça c'est auto, donc même ça, on n'a pas grand chose à s'occuper, juste du support. Hop, ça, ça fait un tir, et tout ce qui suit, ça booste. On va refaire régime de bouclier. Voilà, on les incline, on est content. Régène. Ouais, ça régène vite quand même. C'est bon. Donc on va continuer sur la lancée.
On va les capturer. Ah, non, on va rien capturer. On va se mettre sur la tronche. Il prend très cher. Tu peux t'autorégénérer, oui. C'est déjà ça. Petit coup de régène sur lui. Un autre petit coup de régène, non, tu veux pas? Pas encore. Voilà, voilà, hop, si, maintenant tu peux en mettre un. Allez, 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 allez. Le dernier. Est-ce que sur le dernier. Non, tu peux rien faire pour le moment. Donc, problème réglé. Si, tu peux faire ça, mettre un orange. Voilà, donc ça, ça balance le light beam et ça booste les dégâts. Voilà, donc ça c'est fait. Une petite régène de bouclier. Bon, le support il a l'air assez imbattable quand même. Je pense que sans lui. C'est pas possible. Ah, c'est encore gardé. Donc, hop. On va lui balancer dans la gêne. Ok. Super porté, je trouve notre ami. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Hop. J'ai le bout. Voilà, on va pouvoir les capturer. On va aller se prendre les dernières. Bon, j'ai l'impression que ça passe mieux comme ça. Putain, par contre, les crédits, on en a que 900. Hop là. Hop là, cela allait passer. Donc maintenant, on est content, on a gagné des ressources. Les vaisseaux ne sont pas endommagés. Auto repair bot, ça, ça peut être cool. Ah, ben là, oui, il faut l'installer, oui. Et on saute. C'est un fail. Ensuite, on va aller là. Système vide. Mais écoutez, c'est merveilleux.
On peut rejump, on peut aller là. Bon, on va chercher le baston quand même. Kill them all. Comme ça c'est simple. Et on va vite voir ce que vaut notre petit vaisseau. Oh là, ce qui ramasse. Régène, régène, voilà, il y en a qui se fait des pop. Allez, 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 allez. Et c'est nouvelle ouze. Donc voilà, pour le rapide aperçu, perso moi, j'accroche pas trop. Ça manque un peu de dynamisme et niveau difficulté, mais pour le moment, c'est un poil chaud. Ça aurait été bien d'avoir plus de skills ou je sais pas. Je sais pas. Peut-être un petit problème d'équilibre. À voir ce qui va donner ce jeu, mais en l'état actuel, non. Petite déception. Donc je vous laisse essayer par vous-même si vous le souhaitez. Et rendez-vous ce soir pour du HOZ1. Bye bye.